Fromage! Fromage! Miam, miam! Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Il sent bon, n'est-ce pas? Miam, miam! Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson? Miam, miam! Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Oh! Pourquoi n'avez-vous pas commencé par venir me voir? J'en ai moi aussi. Vous vendez des pommes? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu de pommes comme celles-ci. Elles sont en bois massif. Elles sont en bois, vos pommes? Bonne idée, n'est-ce pas? Comme ça, elles ne pourrissent jamais. Qu'avez-vous acheté d'autre? Du fromage. Du fromage? J'en ai toute une variété, regardez. C'est bizarre, ils ne sentent presque rien. C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique. Vos fromages sont en plastique? Oui! Ainsi, ils n'ont pas de limite de consommation. Un fromage acheté, 4 gratuits. Non merci, Monsieur Fox. Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois. J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité. Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie. Il n'est pas en plastique? Ah, si, excusez-moi. Est-ce que je peux aller jouer chez ma nouvelle copine Molly Mole? Pourquoi pas? J'irai te chercher plus tard. Peppa se rend chez Molly Mole. Voilà, c'est ici que j'habite. Mais c'est la maison de Rebecca Rabbit. Rebecca Rabbit vit à l'intérieur de la colline. Rebonjour. Coucou, Rebecca. Molly est ma nouvelle voisine, Peppa. Mais où est-ce que tu habites, Molly? On a emménagé sous la maison de Rebecca. Viens, je vais te montrer. Les taupes vivent sous terre. Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Ah! Voici Monsieur Mole. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Mole. Je suis ravie de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où habite la famille de Molly Mole? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, Papa! Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh oh! Excusez-nous pour le désordre, nous construisons une extension. Oh! Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre part, mais... Il faut beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombier, électricien, architecte... En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Mole. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh! Moi, je fais un masque de super-héros. Nay. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte. On adore les carottes. Georges a fait un masque de dinosaure. Grrr, dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé?
Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précautions. Promis, mademoiselle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique! Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. De rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig. Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papi Pig? Non. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papi Dog. Il en fait pousser, lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papi Dog te plaisent. Oh, et Papi Dog! Ah, Mamie Pig, quel plaisir de vous voir en cette belle matinée. Auriez-vous 2 ou 3 tomates à nous donner? 2 ou 3, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison. Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, papy. Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais. Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une? Oui, s'il vous plaît. Miam, miam. C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Oh. Quel est votre secret, Papi Dog? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. J'ai juste jeté quelques graines de tomate dans cette partie de la serre et elles ont poussé toutes seules. Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger. Merci beaucoup. Je vais préparer une bonne salade de tomates. Ah oui, je connais justement une délicieuse recette de salade de tomates. Parfait. Voulez-vous la faire pour nous? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic, et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année. C'est pas grave, mon papy en a plein dans sa serre. C'est vrai? Tout à fait. Du basilic de très belle qualité. Je vais vous montrer. Très impressionnant. Dites-moi, quel est le secret pour cultiver du basilic? Eh bien, c'est assez compliqué. La première chose à faire, c'est de... Jeter quelques graines dans un pot et le tour est joué. Si je comprends bien, il a poussé tout seul, votre basilic? Tout à fait. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles? Gérald Giraffe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 10, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà! Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Et maintenant, on joue à la balle? Ouais, ouais. J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Giraffe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y, Dani, attrape. Vas-y, Pedro, attrape. Attrape, Peppa. Oh! La balle est coincée dans l'arbre. Je n'arrive pas à l'attraper. Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre. Non! Je peux l'attraper avec ma trompe. Non, je n'y arrive pas. Si Emily ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer.
Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non ! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald ! Quoi ? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Super ! Gérald Girafe a réussi à récupérer la balle. C'est Monsieur Rabbit portant une armure de chevalier. Nous allons commencer la visite du château par le canon qui se trouve ici. Oh ! À l'époque, le canon était utilisé pour lancer des énormes boulets comme celui-ci très haut dans le ciel. Dis-moi, papa, est-ce que tu crois qu'il va vraiment s'en servir ? Non, ce serait beaucoup trop dangereux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche. 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Il a failli tomber sur notre voiture. Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée. Poursuivons la visite. Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château et déguster un authentique banquet médiéval. Waouh ! Tu entends ça ? Un authentique repas médiéval. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et vous allez aussi rencontrer un dragon. Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône. C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseyaient. Qui voudrait s'asseoir sur un trône ? Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres. Fais ci, fais ça. Votre Majesté, puis-je poursuivre la visite ? Oui, vous pouvez. Nous allons devoir traverser un passage secret. Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché. Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer pour pouvoir ouvrir ce genre de passage. Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges. Ce serait beaucoup trop facile. Oh ! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo. Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. Et si on faisait une course à vélo ? Très bonne idée ! À vos marques, prêts ? Partez ! Oh non ! Que se passe-t-il, Peppa ? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt douée pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien, Peppa, qu'est-ce que tu fais ? On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît ? Je n'en ai pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo ? Faire semblant ? Oui, imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord, j'imagine que j'ai un super joli vélo. Oh oh. J'ai un super joli vélo, la 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 la. Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement ? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où ton vélo ? Là, devant toi. En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh ! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible, et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh ! Voici Danny Dog. Salut. Coucou, Danny. Vous voulez jouer à la balle avec moi ? Est-ce que tu en as une ? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny. Je vais taper dedans avec le pied. Hop. Oh. Coucou, les copains. Voici Rebecca Rabbit. Coucou, Rebecca. On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh, je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non. Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard ? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche ? Non plus. Une fusée spatiale ? Non plus. Oh, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ?
Mais si je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Oh, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups. Oh. Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville, c'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant ah. Ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Chloé, Chloé! Oh, Chloé! Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim, c'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle, c'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh, et lui, c'est mon frère George. On va t'appeler Joe. Oh. Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est George qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous, vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile, il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu, tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papi Pig. Mamie! Papi! Oh, pas de panique! Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël! Il est seulement 3 heures du matin. Mais le Père Noël est déjà passé. Peut-être qu'il est encore dans la maison. Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises.
et un serpentin sifflait. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Oui, je fais le vœu de... Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière, là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques. Prêt? Partez! Papa et papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Vroom, vroom, vroom. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison. Je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, retirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Fou. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer comme ceci. Oh! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou. Je ne sais pas comment le mien se nomme. Mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guiro. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Waouh! Comment il est arrivé jusqu'ici? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des castagnettes, Émilie. Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5. Merci, Freddy. Olé! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop, stop, stop! Ce
Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr, vas-y, serre-toi. Merci, maman. Suzy Sheep a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin, ratatouillin. Ratatin, ratatouillin? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Papa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, maman Sheep. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire? Pipa dadou didou dom. Pipa dadou didou dom. Bienvenue au club! Que dois-je faire maintenant? Attention! Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig? Ah, coucou Maman Pig. Pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Oh! Oh, c'est pour toi, Peppa. C'est Émilie Éléphant. Allô? Allô, Peppa? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît. C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. Ah, d'accord. Compte sur moi. Super. Dany et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette. Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour, Madame Éléphant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer au statut musical? Oui. Voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique. Et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Tête, épaules, genoux, pieds. Allez, genoux, maintenant, pieds, il faut que vous dansiez. Tête, épaules, genoux, pieds. Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminé. Et œil, oreille, et bouche. Tu as bougé, Georges. Tu es éliminé. Edmond et Richard sont aussi éliminés. Ouais. Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante. Youpi. Tu l'as mérité, ta médaille. C'est du plastique véritable en or massif. Maman, le jeu des statues musicales est terminé. Formidable. À présent, vous allez jouer à passer la surprise. Ouais. Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin. Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Georges, passe la surprise à ton voisin. Edmond a une médaille. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet, ohé, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau?
Il est juste sous mes pieds. Oh, oh ! Aurait-il coulé ? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi ? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, skipper ! Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh ! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise ! Ohé, moussaillon ! Bonjour, 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 Papy Rabbit ! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig ? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer ? Bien sûr. Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années. Waouh ! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui. Oh, comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquet de spaghettis? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez! C'est la maison de Suzy Sheep! Nous allons au supermarché! Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît! Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog! Bonjour, Peppa! T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui! Nous portons secours aux victimes de l'inondation! C'est le temps idéal pour ce genre de choses! On va faire des courses! Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous plaît! Et une bande dessinée, s'il vous plaît! Journal? Bande dessinée? Bonjour, Suzy! Bonjour, Peppa! Bonjour, Zoé! Comme tu es jolie! Oh, c'est gentil! Merci beaucoup, Suzy! C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe! Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide! Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire! Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa! Très bien! Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant! Bonjour, les filles! Bonjour, Dani! Bonjour, Dani! Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah! Qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête. Sinon, c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler. Plus jamais, jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Oh, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce
je te disais. Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre, c'est tout collant. Oh, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile, je suis un petit verre d'argile, fin et agile. Qui rampe et se faufile, je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a deux tasses. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui! Alors dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Oui! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non. Alors tu as besoin de faire des pompes? Non. J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Papy, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonjour. Comment
commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé! Et maintenant, allons voir s'il vole. Et un, et deux, et trois! Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! Oui! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges! Oui! L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare aux canards. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand! Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papi! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenue car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et un, et deux, et trois. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh, oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard. Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de deux. À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes. C'est chouette! Merci, papa. Mon papa m'a donné deux sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, de... tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait, c'est du plastique en or massif. Oh. Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh. Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Mais... le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh. Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard. En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super. Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig, il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal. En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûres qui lui fait drôlement envie. Ah! Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les mûres qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs mûres se trouvent toujours tout en haut.
C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les mûres depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Ah ! Oh non ! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. 9, 10, attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa, à quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Oh. Bouh. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y. Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, 4, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvée. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Ho, ho, ho. Bonjour, les petits enfants. Bonjour, Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui. Et vous? Bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puce. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Du tire-course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique. Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vu, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravie de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël.
Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel âge avez-vous, Père Noël? Plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Oh, oh, oh. Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est? Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël.